Allez-y, commencez. Oui, c'est bien. Inspirez. Expirez. C'est bien, continuez. Je les sens arriver. Les douleurs sont dans le bas du dos. Le mal de dos, Chuck. Ça veut dire que l'enfant se présente par le siège. Non, de l'autre côté, s'il vous plaît. Oh. Il s'est retourné. Carole, vous vous sentez bien? Oui. Parfait. Bon, combien de temps entre les contractions? Je crois que Chuck est en train de nous donner le parfait exemple de ce qu'on appelle le syndrome de panique du futur père. Ça ne marche que si on appuie dessus. Allez, il y a des volontaires? Oui, nous. Tu verras, on s'en sortira. Allongez-vous, Béatrice. Peter, aidez-la. Voilà, doucement. Posez votre tête. Vous êtes bien installée? Oui, tout va bien. On peut commencer. Allez, un inspire, un expire. Et la respiration du petit chien. Très bien. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? À vrai dire, je sais pas trop. Salut, vous deux. Bonsoir, Carole. À la prochaine. J'ai l'impression que tu n'écoutes pas ce qu'on dit, que tu es ailleurs. À toi que je pensais. Ça me fait plaisir à entendre. Tu sais, il y a peu de chances pour que ces cours d'accouchement sans douleur nous servent à quelque chose. Pourquoi ça? Chuck, il serait temps de reposer les pieds sur terre. Le docteur Miller nous a dit que le placenta était trop bas. Et qu'il y avait 9 chances sur 10 pour qu'on fasse une césarienne. Quoi qu'il arrive, je serai prêt. Oui, police municipale de Boston. Ma femme et moi, on vient de nous tirer dessus. À quel endroit? Je sais pas, on venait de quitter Tremont Street, on sortait de l'hôpital Brigham. On a 2 blessés par balle à Boston. Où êtes-vous maintenant? Je sais pas, il nous a forcé à l'emmener dans un coin abandonné. Il est toujours dans les environs? Non, il a filé. Pas encore repéré, Boston, on met le paquet. On a 5 unités dans le secteur, demandez-lui où ils sont. Vous avez une adresse? Regardez autour de vous. Oh, dites-nous où vous êtes. Allez, vas-y, démarre. Ça y est, je suis en train de rouler. Il a pris les clés, mais j'ai un double. Bon, on vous envoie du renfort, mais surtout continuez à parler, monsieur. À toutes les unités, signale une agression avec 2 blessés par balle. Secteur Tremont Street, près de l'hôpital. À toutes les unités, on signale une agression. Est-ce que votre femme est consciente? Non, il a visé la tête. Moi, j'ai réussi à me baisser. Pouvez-vous sortir? Pouvez-vous sortir du véhicule et regarder où vous êtes exactement? On a du mal à vous repérer. Et si j'avançais jusqu'au bout de la rue? Si vous vous sentez en état de le faire, alors faites-le. Quel est votre nom, monsieur? Stuart. Chuck Stuart. Il nous faut une description du véhicule. De quelle couleur est votre voiture? Bleu. C'est une Toyota Cressida bleue. Toyota Cressida bleue. Votre femme respire encore? Oui, mais difficilement. Enfin, je viens de déboucher sur une grande rue. Je reconnais l'endroit. Est-ce que je me dirige vers l'hôpital? Non, donnez-moi le nom de la rue, Chuck. C'est Tremont Street. Tremont, et quoi d'autre? Oh. Chuck, Tremont, et quoi d'autre? Oh, je vois un bureau de change. Garez-vous le long du trottoir. Je veux que vous arrêtiez la première personne qui passe afin qu'elle nous fournisse des indications supplémentaires, Chuck. D'accord, je regarde, mais il n'y a personne. Les trottoirs sont déserts. J'ai mal. Je sens que je vais m'évanouir. Et il n'y en a plus pour longtemps. On arrive, Chuck. Tenez bon. Chuck? Chuck? J'entends une sirène de police. C'est une de nos patrouilles. Ils ont cerné le secteur. Je les appelle. Bravo, 101, actionnez votre sirène. Que les autres voitures arrêtent la leur. Vous l'entendez toujours? Négatif, bravo 101. Chuck. Bravo 201, actionnez votre Chuck. Sirène. Toujours rien. Bravo 201, arrêtez votre sirène. Bravo 104, actionnez votre sirène. Chuck. Chuck.
C'est bien, Chuck, je vous entends respirer. Répondez, Chuck. Parlez-moi, dites quelque chose. Chuck ? On va le perdre. Vous m'entendez ? Chuck, parlez-moi. Bon sang, on a besoin de vous. Chuck ? Chuck ? Prenez le combiné et parlez-moi. Dites quelque chose. La sirène. Ça y est, bravo 104, vous y êtes. Il va nous falloir beaucoup de lumière. Amenez un brancard, vite. Et dépêchez-vous, les gars. On va vous sortir de là, monsieur. Mais dégagez, s'il vous plaît. Il faut ouvrir la portière. Venez, on s'occupe de la fin. Ne bougez pas, on fait de tout. On se dépêche. On a perdu connaissance, il faut couper les ceintures de sécurité. On vous dégage bientôt, monsieur. D'accord. On va devoir couper vos vêtements. Faites bien attention, elle. Ne vous inquiétez pas. Mais personne ne nous a dit qu'elle était enceinte. Hé, hey, Harry, viens m'aider. Attention, je vais la sortir doucement de la voiture. Préparez-vous à m'aider. Ça y est, je la tiens. Le brancard, vite. Attention à la tête, tiens-la. Elle a perdu beaucoup de sang. On la déplace un peu. Aide-moi. Là, je crois que c'est... Approchez les lumières. Matrouse, vite. Ne bougez pas, monsieur. C'est presque fini, voilà. Levez la tête. Et la police, attention. S'il vous plaît. Voilà, comme ça. Vous allez vous pencher en avant. Allez, on enlève la chemise. Masque à oxygène, prévenez l'hôpital brigade. Maintenant, on va vous mettre sur la salle de réanimation. Dites-leur que la victime est enceinte. On va faire ça en douceur, n'ayez pas peur. Le cœur est en train de lâcher, il faut faire. Vous allez commencer par vous tourner lentement sur votre droite. Là, c'est bien, doucement. Attention, on va y aller. Vous êtes prêts ? C'est parti. Attention. Est-ce que ma blessure est moche ? Ça, on ne peut pas encore le dire. Oh, j'ai mal. Allez-y, les mecs, montez. Ça va, monsieur ? Oui, j'ai du mal à respirer, mais ça va. On vous emmène tout de suite à l'hôpital. Allez, on y va. Doucement, faut la bouger le moins possible. Il faut sauver le bébé à tout prix. Dégagez le passage, s'il vous plaît, dégagez. Bon, tout le monde est prêt. À trois, on la soulève. Un, deux, trois. Allez, on fait vite. On vous escorte jusqu'à l'hôpital. On nous attend là-bas, tout est prêt. Oui, c'était un noir. Prêt pour la perfusion. Il était seul ? Masque oui. Oxygène. Il a pris les bijoux de ma femme. Vous vous souvenez de ce qu'il portait ? Oui, il avait un survêtement noir. Oui. Avec des bandes rouges sur le côté. Oui, rouge. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était arrêté à un feu rouge sur Tremont Street. Et il a sauté sur le siège arrière et il m'a dit de rouler. Il a tiré sur ma femme. Calmez-vous. On s'occupe de vous, ça va aller maintenant. Suivez-moi. C'est bon, on peut partir. Allez vite, venez avec moi. D'accord, on vous suit. Tu viens, Tom. La salle d'opération est prête. Dirigez-vous vers les urgences. Une équipe vous attend et prendra en charge le blessé dès votre arrivée. Ici, bravo 102, à vous, Central Boston. Message reçu à vous. Tenez bon, monsieur, c'est presque fini. Oh! Inspecteur, est-ce que vous pourriez... Mettez-vous en place, vite. Tu commences sur moi en gros plan. Où est ma femme ? Dans un autre hôpital, monsieur. Ah. Oh. Monsieur Stuart ? Mm-hmm. Inspecteur McCugan, une police criminelle. Mm. Oh. Ah.
Que pouvez-vous me dire de plus sur votre agresseur? Il était noir. Inspecteur, vous ne pouvez pas rester. 30 secondes et je m'en vais. Oh. Il était grand comment? Comme vous? Oh. Il portait un survêtement noir, allez, c'est bien on ça? On le soulève. 1, 2, 3. Les ciseaux. Oh. C'est bon. Enlevez-lui le masque à oxygène. Comment vous sentez-vous? J'ai mal. Et la respiration, ça va? Pourriez-vous essayer de vous rappeler d'autres détails? De race noire, à peu près votre taille, vêtu d'un survêtement noir, ou autre chose? Ah, oui, c'est ça, ça voit. Il avait une voix rauque. Prenez-lui la tension artérielle. Vous êtes retourné sur lui, et d'après vous, quel âge pouvait-il avoir? La respiration est rapide, mais normale. Environ 28 ou 30 ans. Et son arme? Est-ce qu'on peut prendre c'est des radios? C'est un calibre 38. Ah! Un canon court. Ah. Et combien de coups a-t-il tiré? 3 coups. Ah, un sur ma femme. Ensuite, on va le retourner. Je me suis baissé, et c'est parti vers le toit et j'ai reçu le troisième. Ah. Préparez une transfusion. Retenez-le bien. Ah. Pas d'autres blessures. Mais... Ça va vous faire un peu mal au niveau du pénis. Non. Chuck, c'est très important. Vous êtes sûr qu'il n'a tiré que 3 fois? Oui, je suis sûr. Il y a eu 3 détonations. Désirez-vous qu'on prévienne quelqu'un de votre famille? Non. Ah, vous en êtes sûr? Oui. Inspecteur, les 30 secondes sont écoulées. Je sais. Ah, il a vu notre téléphone. C'est ce qu'il voulait? Non. Non, il a cru qu'on était des flics en civil. Il nous a traités de sales flics. Merci, Chuck. Est-ce que vous sentez vos orteils? Ah. Prévenez le bloc qu'on arrive. Oui, j'enverrai quelqu'un pour vous relever. Alors? Bah alors, c'est grave. Je veux qu'on double nos effectifs. Cet enfant de salaud est un tueur de flics! D'ailleurs, on distingue toujours les traces de sang par terre, là où il y a quelques heures à peine, un jeune couple de Reading se faisait attaquer par un agresseur encore non identifié. Agresseur qui, toujours d'après la police, serait un homme de race noire, âgé d'une 30aine d'années. Hé, hey, Caruso, viens voir d'abord, ça. D'abord, il sous-estime la police de Boston. Ensuite, il insulte l'intelligence des fédéraux et leur façon d'agir. Et pour finir, la prochaine fois qu'il me traite de gonzesse, j'enfile mes gants en caoutchouc, je lui tords le cou jusqu'à ce qu'il crie grâce et me demande pardon. Quoi? Un noir de Mission Hill vient de tirer sur un couple pour leur voler des bijoux sans valeur. Il a tiré sur les deux? Ils sont à l'hôpital. Elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce quartier malfamé? Il sortait d'un cours d'accouchement sans douleur. C'est une première pour Boston. Si c'est vrai. Monsieur le maire, vous êtes blessé. J'ai le regret de vous annoncer que Madame Stuart vient de décéder. La police, monsieur le maire. Ce crime ne fait que confirmer ce que nous savons déjà. Il y a trop d'armes et trop de drogue dans les rues de Boston. Et maintenant, une femme enceinte est morte et son bébé est dans le coma. Les citoyens de Boston sont indignés par la violence qui règne dans notre ville et ils ont raison. Et monsieur, que savez-vous sur l'enquête en cours? J'ai demandé au commissaire de mettre les meilleurs éléments de la police sur cette affaire afin de trouver l'homme responsable de cette tragédie qui nous bouleverse tous. Mais qu'est-ce que vous trois, tournez-vous vers le mur. Allez, dépêchez-vous. Mange ça. Va aider les autres. C'est toujours pareil avec. Viens par ici. Allez, bouge, toi. Non, pas cela, pas cela. Et vous de là-bas, tournez-vous. Ramenez-les-moi. Contre le mur. On vous a rien demandé. Vous devriez aller voir de l'autre côté. On vous a rien demandé. On ne discute pas. Contre le mur. Allez, viens par ici un peu. Et toi là-bas, ne bouge pas! Eh, bouge pas, contre le mur, en vous avez entendu ce qu'on vous a dit, contre le mur! On n'est pas des bandits! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux aller voir mon ami! C'est qui ton ami? C'est le grand là-bas avec la casquette! Bien sûr, que je les connais tous! Ouais, lui aussi! Vous n'avez pas le droit! Je veux vos papiers! Je veux pas savoir vos papiers! Vous voulez quoi? Ok, il t'occupe pas du reste! Boston FM, vous êtes en ligne! Salut Steve! Moi je suis pas d'accord avec les gens qui appellent pour dire que Charles Stuart est un héros! C'est ridicule! Faut être vraiment fêlé pour aller se balader dans un coin comme Mission Hill. Expliquez-vous. Des putes, des toxicos, des violeurs, y'a que ça là-bas. Peut-être, mais c'est loin de. On embarque tous ceux qui n'ont pas leurs papiers. Toi, qu'est-ce que tu faisais ici hier soir? Un alibi? On se calme et on répond. Allez, c'est de là, dans le fourgon, et que ça sent. Je vous dis que c'est pas moi. Regardez un peu ce que je trouve sur celui-là. Oui, je sais, t'es innocent, t'as rien fait de mal. Oui, monsieur. Vous dites tous la même chose, mais y'a un assassin qui se promène, alors tourne-toi, je te dis.
Merci de votre appel, Johnny. Écarte tes jambes, mets tes mains sur la tête, vite. Encore moi, je vous ai déjà appelé tout à l'heure, Steve. On n'a rien entendu, en fait, regardez le match de foot à la télé. Bon, tu peux partir. Ben, et nous aussi, on était tranquillement devant la télé. Oui, monsieur. Oui. Attendez, je vais m'occuper de celui-là. Toi, tu vas m'accompagner par là, on a des choses à se dire. Il faut qu'il lui fasse la même chose. C'est pour ça qu'il faut rétablir la peine de mort. Tous contre le mur, vérification d'identité, elle est plus vite que ça. Il y en a un qui s'échappe là, attrapez-le! Mais dépêchez-vous, bon sang, il court comme un lièvre! Viens par ici, toi! Alors, petit malin, t'as quelque chose à cacher? Tu vas le regretter! Laissez-moi! Laissez-moi! Garde les jambes! J'ai rien fait! J'ai rien! Hein? Bouge pas! Passe-moi les menottes! Comment tu t'appelles ? Sammy, monsieur. Toi, Sammy, c'est comment ? Colin. Le roi Morgan. Colin. Mais je vous jure que je n'étais pas là hier soir. De l'autre côté de la rue. Et tu vas à parler ? Qu'est-ce que tu faisais hier soir ? J'ai rien à dire. J'étais chez moi avec mes enfants et ma femme. Non, je crois que je vais aller ça. Mais c'est la vérité, j'ai pas bougé. Arrête un peu, attends. Si je comprends bien, personne ne sait rien. Non, quand il y a du foot à la télé, il n'y a personne. La description qu'on vous a donnée, ça vous dit rien, bien entendu. On est tous des noirs ici. D'où tu viens, toi ? On ne s'est pas déjà vu quelque part ? Ça m'étonnerait, je ne suis pas du genre à fréquenter la poulaille. Vous pouvez y aller quand vos parents auront fini, Michael. On pas demande plus une arrestée visiteurs à la dans salle d'opération. Vous êtes tous de la famille ? Oui. Sauf Janet, c'est la fiancée de Matthew. Elle est pratiquement de la famille. Janet, le règlement est formel. Docteur Johnson, qui est la fille de 79. Alors, cette douleur. J'aimerais le voir seul un instant. Docteur, s'il a besoin d'un spécialiste ou d'un traitement particulier, nous avons des économies. C'est notre fils aîné. Madame Stuart, croyez-moi, votre fils est bien soigné, il a tout ce qu'il lui faut. C'est léger, mais ça vous aidera à dormir. Je viens de parler au service des nouveau-nés. Votre fils semble s'en sortir. Ils ont bon espoir. Docteur, est-ce que ma femme a repris connaissance avant de... Charles Stuart, qui a tenté, comme chacun le sait, de sauver la vie de sa femme dans un acte de bravoure, est un honnête marchand de fourrure qui a commis l'erreur de rentrer chez lui en traversant un quartier mal famé. Aujourd'hui, Charles, qui a toujours une balle logée dans l'estomac, se bat pour sa vie, tout comme son fils prématuré, le petit Christopher. Charles Stuart est dans l'incapacité d'assister aux funérailles de son épouse, mais la ville entière le soutient dans cette douloureuse épreuve. De Bedford, c'est Charmaine Jordan pour NBC. En ce triste jour, Carole ne pouvait avoir meilleur éloge que celui rédigé de la main même de son époux Charles, et que va nous lire un des témoins de leur mariage, Brian Parsons. Voici le message de Chuck adressé à sa femme, Carole. Adieu, mon amour, ma femme. Si Dieu a voulu te rappeler près de lui, ce n'est pas pour nous séparer, ni pour me priver du bonheur que tu m'apportais, mais pour te préserver de la cruauté et de la violence qui régissent ce monde. Et pour nous qui sommes ses fidèles serviteurs, nous devons accepter que sa volonté soit faite et croire au droit divin dans la signification de cet acte. Au plus profond de notre âme, nous devons pardonner à ce pécheur à l'image du Seigneur miséricordieux. Aujourd'hui, tu es loin de moi. Je ne sentirai plus jamais la chaleur de ta main dans la mienne.
Mais tu seras toujours dans mon cœur. Tu me manques tellement. Je t'aime. Ton mari, Chuck. Nous sommes tous réunis en ce lieu afin d'exprimer notre peine pour Carol Stuart et pour son bébé. Oui. Et pour lequel toutes les chaînes de télévision oui. et tous les journaux oui. ont fait grand cas. Oui. Ainsi que pour Jeff Moody, un de nos frères, assassiné au cours de la même nuit. Oui. Et dont ces mêmes chaînes et ces mêmes journaux n'ont pratiquement pas parlé. C'est vrai. Aux familles de Carol Stuart et de James Moody, nous disons... Comme nous nous associons à votre peine, nous nous associons à votre colère. Amen. Et nous partageons vos frayeurs, oui. en sachant qu'à tout moment, d'innocentes personnes risquent leur vie dans les rues de Boston. Oui. Vous ignorez ce que nous ressentons, nous disent-ils. Oui. Et nous répondons, lorsque la police maltraite notre communauté, oui. enferme nos fils dans leur prison, oui. à la recherche d'un assassin, oui. nous leur répondons, croyez-nous, nous connaissons aussi la peine. Oui. Et aujourd'hui, en voyant les cercueils de Carol Stuart et de James Moody, oui. nous leur disons, votre effroi est le nôtre. Oui. Mais n'ayons pas peur les uns des autres. Amen. Nous levons nos cierges et nous les implorons. Oui. Sortons tous ensemble des ténèbres de la haine raciale. Oui. Marchons côte à côte, hommes blancs et hommes noirs, oui. jusqu'à la naissance du jour nouveau à Boston. Oui. Et ce jour-là, laissons tous le souffle du pardon oui. supprimer à jamais oui. cette haine démesurée oui. qui nous aveugle. Oui. Il nous faut une description du véhicule. De quelle couleur est votre voiture ? Bleu. C'est une Toyota Cressida bleu. Toyota Cressida bleu. Votre femme respire encore ? Oui, mais difficilement. Ah, enfin, je viens de déboucher sur une grande rue. Ah, je reconnais l'endroit. Est-ce que je me dirige vers l'hôpital ? Non, donnez-moi le nom de la rue, Chuck. C'est Tremont Street. Tu travailles encore sur cette histoire ? J'étudie l'enregistrement. On l'a déjà publié, Michel. On a publié des passages. La communication a duré 14 minutes. On aurait dû tout publier. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que votre femme est consciente ? Non. Il a visé la tête. Moi, j'ai réussi à me baisser. Mais... Sa femme se vide de son sang juste à côté de lui et il perd son temps à expliquer pourquoi il est encore en vie. C'est pas vrai. Tu vas quand même pas suspecter ce type. Je crois que tu oublies un petit détail. Il a failli y rester. Il s'est pas tiré une balle dans l'estomac. Non. Il s'est baissé. Et juste au bon moment. Oh. Tu as vu l'ampleur nationale que les médias ont donnée à cette affaire. Les gens pensent que Stuart est un héros. Il a tenu 14 minutes au téléphone avec une balle dans le ventre. Tu te soucies de l'opinion publique ? Je me soucie de publier la vérité. Dès que ça va se retourner ouais, contre moi, tu verras. T'as compris ?
J'ai quelque chose pour vous sur l'affaire Stuart. C'est le neveu de ma cousine. Il lui a raconté qu'il avait parlé avec le meurtrier. Dwayne, voici Pat et voici Al. Ils sont sur le coup. Oui. Répète-leur ce que tu as dit à tante Maddie. Oh, écoute, Larry, tout ça, c'est des blagues. Tu t'es pourtant pas privé de lui raconter les détails. T'étais pas en train de blaguer, Larry, non? Laisse tomber, tu veux bien? J'ai bien envie de lui faire sa fête. Hé, hey, vous n'avez rien contre moi, parce que j'ai jamais eu affaire à la police jusqu'ici. Ce gosse est dans un sale pétrin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à traîner avec un assassin, Dwayne? On y est. 20h30, c'est ici d'après Stuart que le gars est monté. Regarde toutes ces voitures et tous ces piétons qui traversent. C'est quand même bizarre que personne parmi ces gens n'ait remarqué la scène. Oui. Un pauvre noir qui saute à l'arrière d'une voiture, ça, il faut reconnaître que c'est pas le genre de choses qui arrive tous les jours. Fiche-moi la paix et roule, d'accord? Les flics ont trouvé les clés de la voiture de Stuart dans ces buissons-là. Je ne vois aucune fenêtre. C'est sûrement ici que ça s'est passé. Il compose le numéro de la police. Oui, police municipale de Vas-y, Boston. Vas-y, avance. Attendez-moi, on vient de nous tirer dessus. À quel endroit? Je sais pas. On venait de quitter Tremont Street. On sortait de l'hôpital Brigham. On a deux blessés par balle à Boston. Où êtes-vous maintenant? Je sais pas. Il nous a forcé à l'emmener dans un coin abandonné. D'accord. Je suis en état de choc et je ne sais plus où c'est. Mais tu sais qu'il faut rejoindre à tout prix une rue animée où tu pourras trouver du monde. Dans le secteur. Demandez-lui où ils sont. Ah, enfin, je viens de déboucher sur une grande rue. Je reconnais l'endroit. Est-ce que je me dirige vers l'hôpital? Non, donnez-moi le nom de la rue. D'accord, d'accord, ça marche. Raymond, et quoi d'autre? On est sur la bonne route. Chuck? Raymond, et quoi d'autre? Je vois un bureau de genre. Ça doit être cette enseigne. Bon, tu es blessé. Tu as réussi à revenir sur Tremont Street. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de retrouver le chemin de l'hôpital. Ou j'interpelle un piéton. D'accord. Je regarde. Il n'y a personne. Les trottoirs sont déserts. Tu vois, Kim, à mon avis, il devait y avoir une tornade ce soir-là. Voyons ce que fait Chuck. Oh, j'ai mal. Je sens que je vais m'évanouir. Et il n'y en a plus pour longtemps. On arrive, Chuck. Tenez bon. Chuck? J'entends une sirène de police. Chuck? Son silence dure 6 minutes. Il est dans les vapes. Et où est le téléphone dans ce cas? Il devrait Chuck, être par terre. Prenez le combiné et parlez-moi. Alors pourquoi est-ce qu'on l'entend respirer? Chuck, dites quelque chose. C'est là. Il n'a pas perdu connaissance. Il a forcément continué à rouler puisque c'est ici qu'on a trouvé la voiture. Il revient sur une artère principale pour s'éloigner à nouveau dans cette rue sombre. Pourquoi il a fait ça? Pour que sa femme n'ait aucune chance de s'en sortir. Cet enregistrement ne le prouve pas. Non, je sais. Mais il devrait m'aider à prouver qu'il y a eu homicide volontaire de la part de Charles Stuart. Je suis sûr que tu vends de la marijuana. Hein. C'est pas vrai, mais vous êtes bouché. Je vous dis que c'est pas mon truc. Ouais, c'est ça. T'es le genre à traîner dans la rue
pour distribuer des badges antinucléaires, hein. Tu as peur de qui? Allez, donne-nous son nom. Au fait, c'est quoi déjà la peine encourue pour obstruction à la justice? Tu veux dire pour refus d'information? Ça dépend. Dans une affaire de meurtre. Oh, ça varie entre 15 et 20 ans. Bon, d'accord. Écoutez, les mecs, je vais vous dire ce que j'ai entendu, d'accord? Et après, je pourrais partir. Sauf si c'est toi qui as tiré. Mais vous êtes cinglé! C'est Willie Bennett qui l'a tué. Comment tu sais ça, Duane? Il y avait des types qui discutaient. Il y en a un qui a dit que c'était Willie qui avait fait le coup. Après, Willie s'est pointé à l'appart pour raconter son exploit. Il parlait du meurtre de Carol Stuart. C'est ça, ouais. Il a dit que c'était facile. N'arrêtez pas de rigoler. Voici la balle. Et vous allez la laisser où elle est? Et malheureusement, pas le choix. Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de vivre? Je veux dire, est-ce que vous croyez que je pourrais à nouveau... Vous avez subi un sérieux traumatisme intestinal, mais vous guérirez. Vous pourrez reprendre le travail. Est-ce qu'il me restera des séquelles? Vous avez reçu une balle. C'était une sérieuse opération. Ça ira mieux dans quelques mois. Le corps humain est une merveilleuse machine. Pouvons-nous lui parler, docteur? Oui, mais soyez bref. D'accord. Merci. Comment vous sentez-vous, monsieur Stuart? Ça irait mieux si je ne souffrais pas autant. C'est dur. Oui. Nous avons emmené quelques photos avec nous. Vous avez réussi à le coincer? On compte sur vous. Prenez votre temps. C'est difficile. Vous avez des doutes? La première chose qu'il a dit, c'est de ne pas regarder dans le rétroviseur. Se pourrait-il que ce soit un de ces hommes? Oui, ça se pourrait. Vous savez, ça s'est passé si vite. Oui, ça se pourrait. Voiture 305, veuillez vous rendre à l'entrée de l'autoroute A7. On signale un carambolage et deux blessés graves.
éclairait notre vie de son sourire éblouissant. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour que son âme repose en paix. Amen. Salut, Jack. Jack, je te présente la mère de Carole et son frère Carl. Très heureuse. Je vous présente mon avocat, Jack Jorgensen. Merci, Carl, mon fils. Jack va s'occuper de toutes les démarches administratives. C'est lui qui servira aussi d'intermédiaire avec la presse. Je vois. On va vous laisser maintenant. Je veux que tu viennes nous voir. Dès que tu sortiras. Je viendrai, maman. Tu as intérêt. On t'attend. Vous savez, je sais ce que vous ressentez, mais je suis sûr qu'elle nous voit et qu'elle est bien là où elle est. Ravi de vous avoir connu. À bientôt. Le brave Jean. Tiens, je t'ai apporté les journaux. Le kiosque de l'hôpital me les montre. C'est terminé. J'ai eu le procureur, j'ai l'intention de filtrer ce que tu lis. Tu as enfin réussi à voir Flanagan? Tu lui as dit que je ferais le maximum pour les aider? L'identification sera cruciale. Ils t'ont donné une idée du nombre de suspects qu'ils ont bouclés? Non. Mais je ne veux prendre aucun risque. Quand ils auront trouvé le gars, je vais m'arranger pour t'éviter l'inconvénient d'une séance d'identification. Tu peux faire ça? Bien sûr, à condition que tu identifies formellement ton agresseur sur une photo. Tu sais, Jack, à propos de l'identification, il faisait nuit? Oui, ils le savent. Essaie de faire fonctionner ta mémoire. C'est la seule solution. On m'attend au tribunal. Ah! C'est pas vrai. Ça va faire 2 semaines et c'est toujours à la une. Ouais. Tu peux me faire confiance. Ils en parleront tant qu'on n'aura pas arrêté ce salaud. J'y veillerai personnellement. Et voilà. Monsieur Flanagan, est-ce que l'enquête avance? Avez-vous arrêté le meurtrier? Je crois que vous connaissez tous mes adjoints, Franck Comera. C'est lui qui est chargé de cette affaire. Vous nous donnez de quoi faire un article? Nous progressons. Je ne peux rien dire de plus. Quand communiquerez-vous le rapport de... Balistique a donné quelque chose? Le maire de Boston a déclaré qu'il s'occupait personnellement de l'affaire Stuart. Fait-il pression sur... Le maire n'a rien à voir avec le bureau du procureur. L'enquête progresse. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne répondez pas au téléphone, alors je prends le taureau par les cornes. Volarbin m'évite comme la peste à croire que j'ai mauvaise haleine. Alors dans ce cas, évitez-la, il mâchait du chewing-gum à la menthe. Écoutez, Franck, j'ai refait en voiture le même trajet parcouru par Stuart ce soir-là. C'est assez amusant comme balade. Amusant? Venez la faire avec moi. Il a dit qu'il ne voyait aucun piéton. J'y suis allée un lundi et un vendredi, et il y avait des tas de piétons. Et ce n'est pas tout. On a un couple dans une voiture. Des deux, qui est le plus menaçant? Le mari. Alors pourquoi l'agresseur a-t-il tiré sur la femme et laissé le mari en vie? Il s'est baissé. Dans une Toyota. Avec une ceinture de sécurité. Vos sous-fifres ont dû vérifier, non? Nous vérifions tout. Vous avez pensé aux assurances, aux actes de propriété? Vous n'espérez quand même pas que je vais vous livrer les détails de l'enquête en cours? Franck, faites ça pour moi. Je veux juste que vous me confirmiez que vous enquêtez sur Stuart. Sans commentaire. Allez-vous-en, j'ai une rude journée. Allez dehors. Allez. Caruso, ça m'intéresse. Appelez-moi. Un appel pour le docteur Harris, poste 407. Un instant. Harris, poste 407. C'est presque terminé. Ça y est. Chuck, tu ne m'avais pas dit que c'était si grave? Oh, j'avais pas envie d'en parler au téléphone. Tu vas bien? Oh, j'allais oublier, voici ma meilleure amie, Beth. Bonjour, Beth. Bonjour, Monsieur Stuart. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Tout le monde parle de toi. Chaque fois que j'appelle chez toi, quand j'ai appelé, j'ai eu l'impression que ta mère me faisait la tête. Elle dit que ce n'est pas prudent. Qu'est-ce qui n'est pas prudent? On pourrait croire des choses après ce qui s'est passé. Oh. Et le mal, on travaille ensemble, on a le droit de se voir, non?
sais comment sont les mères. Même si on ne fait rien de mal, elles craignent toujours que les gens pensent au pire. Bon, bah, je vais faire un tour dans le couloir. Ouais, il y a une machine à café. Non, Bess, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. J'ai promis de rentrer de bonne heure. Non, reste un peu. Ça fait à peine 5 minutes que tu es là. Tu sais, ça fait du bien de pouvoir discuter avec quelqu'un. Je suis toujours tout seul. Je ne viendrai plus. Il faut qu'on parle tous les deux. Tiens. Utilise le numéro de ma carte de crédit. Comme ça, personne n'enregistrera notre conversation. Bon, maintenant, il faut qu'on y aille. Baby? Tu m'appelles ce soir? Après qu'il se soit accroché courageusement à la vie pendant 17 jours, le petit Christopher est décédé aujourd'hui dans le même hôpital où sa mère avait été transportée d'urgence après avoir été blessée mortellement dans la soirée du 23 octobre. On dénombre maintenant 11 morts parmi les 103 personnes et enfants victimes d'agressions à main armée au cours des 2 derniers mois, et ce, pour la seule ville de Boston. Le bureau du procureur Newman Flanagan a annoncé ce matin même que l'assassin, une fois appréhendé, serait évidemment inculpé d'un double homicide. C'était Bill Larson, en direct de Boston pour WDP. Merci Bill, et maintenant nous passons au bulletin météorologique avec les prévisions de Danny Morgan. Qu'est-ce qui t'arrive, Matthew? Rien. Tu ne dis plus un mot. Et alors? Dis-moi ce que tu as. C'est au sujet de Christopher? Janet, je sais qu'ils ne retrouveront jamais l'agresseur. On n'a pas envie que tu sois mêlé à cette galère, Duell. Alors tu essaies de nous aider, d'accord? Tu as entendu Willie Bennett raconter qu'il a tiré sur eux. Tu dis qu'il a la voix rauque. Il t'a montré son arme. Il t'a raconté qu'il a ordonné à Stewart de ne pas regarder dans le rétroviseur. Tu l'as entendu dire qu'il est monté dans une Toyota. Que ça s'est passé près de l'hôpital Brigham. Non, j'ai pas entendu tout ça. Willie a dit qu'il avait fait un carton. Mais le reste, c'est vous qui me forcez à le dire. Pour moi, c'est des conneries, tout ça. On nous amène une copine de Bennett. Qui? Joanny Jackson. Dis donc, tu vas te poser, elle va raconter à Bennett qu'elle a vu Dwayne en train de bavarder avec nous. Tu as raison, c'est trop risqué. Dwayne est notre témoin numéro un. Viens, on va te planquer. C'est quelque chose? On prend sa déposition. Le môme l'a entendu sans vanter? Il est prêt à signer? On se tient au courant. N'oublie pas que dans la déposition de Dwayne, il n'a jamais été question d'une histoire de rétroviseur. Tout ce que je veux, c'est faire une perquisition. C'est bien. Oui, si on décroche le gros lot, on l'épingle. Mais c'est pas encore gagné. Tout va bien, Dwayne, t'inquiète pas. Écoute, on va reprendre depuis le début, d'accord? Une dernière fois. Il paraît que la police est sur le point d'arrêter un suspect dans l'affaire Stewart. Ah oui? À Mission Hill, les gens disent que les flics posent des tas de questions sur un certain Willie Bennett. Je te rappelle. Ça te dit quelque chose, Willie Bennett? Oui, il vient de sortir de tôle. Je crois qu'il avait blessé un flic. Avec un flingue? Il en a déjà tué un il y a quelques années, en 81 ou 82. Mais il est surtout connu pour un autre exploit. Un jour, il a tiré 5 balles sur un chauffeur de taxi. On a dû l'amputer des 2 jambes. Tout ça pour $40. Tu parais que Bennett est noir? Oui. Et il correspond à la description de Stewart. Ah oui, comme la moitié de la population de Boston. Hola, je vous amène un super tuyau et qu'est-ce que je récolte? Du scepticisme? Disons que c'est le genre de cible idéal pour les flics. Bennett est un meurtrier, alors pourquoi aller chercher ailleurs? Ça arrangerait bien tout le monde, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Les habitants du quartier disent aussi que les flics ne sont pas très malins. C'est-à-dire? Ils disent que si c'était Willie, il aurait piqué le téléphone.
Vous avez du nouveau sur l'enquête menée sur Stuart? Qu'est-ce que vous avez contre lui? Il a engagé Jack Dowley, c'est pas pour rien. C'est un bon avocat. Un avocat d'assises. Il défend les criminels, et aujourd'hui ce monsieur fait partie du plus illustre cabinet de la ville. Ça ne vous est pas venu à l'esprit que Stuart avait peut-être quelque chose à cacher? Je crois qu'il a surtout besoin de quelqu'un pour éloigner la vermine. Vous êtes vraiment très drôle. Vous ne voulez toujours pas communiquer le rapport balistique de cette voiture? Vous croyez qu'on fait fausse route? Votre bureau fait souvent office de passoire. En fait, c'est ce qui attire la vermine. Son chirurgien, oui, est un ancien du Vietnam. Il a vu des tas de blessures provoquées volontairement. Stuart n'a pas pu se tirer dessus. Alors j'avais raison. Vous enquêtez bien sur Stuart. Votre enquête se porte sur quelqu'un d'autre. Oh non, pas sur Bennett, c'est pas lui. Désolé, je ne peux révéler aucun nom. C'est ridicule, vous vous trompez sur toute la ligne. Police! Ça va, Willy? Tiens-toi tranquille. On va faire un tour au poste. T'as rien contre, j'espère? Maman nous attend. Je veux juste jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tu viens? Non, je préfère pas. Je ne mets pas d'huile. Ça ne sera pas gras. Je dirige un magasin chic. C'est une question de prestige. Je préfère déjeuner au restaurant. Bon, je déjeunerai seule. Sois honnête, chérie. Je sais que tu aimes sortir et que tu aimes te montrer. Il n'y a rien de mal à cela. C'est ton tempérament. Tu n'as qu'à choisir un papier un peu moins cher pour la chambre du bébé. Chuck, je veux seulement que tu admettes certaines choses, c'est tout. Tu répètes sans cesse que tu veux devenir quelqu'un de respectable à Caras. Que tu veux ton restaurant. Carole, je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit dans mes habitudes. C'est toi qui as voulu cet enfant. Je ne cherche pas à savoir qui a tort ou qui a raison, mais les faits sont là. Il va falloir qu'on réduise notre train de vie. J'ai croisé ta femme, Montière. Elle n'a pas un peu grossi? Elle est enceinte et elle n'arrête pas de manger. Ça va te changer la vie, mon vieux. Fini l'entraînement, fini les sorties du vendredi. Alors ça, ça m'étonnerait. J'aurai mon restaurant et elle restera à la maison avec le gosse. Ouais, bien sûr. Le restaurant. Qu'est-ce que tu veux dire? Chucky, on n'a jamais eu assez d'argent pour monter notre propre affaire. C'est trop tard. Qui te dit que vous n'aurez pas d'autres enfants? Thank you.
Et n'oublie pas qu'on va dîner chez mes parents ce soir. Qui est Lewis Saunders? C'est un agent d'assurance. C'est quelqu'un du bureau qui m'a parlé de lui. Il m'a proposé de renforcer nos polices d'assurance tout en préservant les mêmes avantages. Qui t'a demandé de t'occuper des assurances? Personne. J'essayais tout simplement de faire... On ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne veux pas d'assurance bon marché. J'aurais rien fait sans t'en parler. C'est moi qui m'occupe de ça. Mais c'est aussi mon argent, non? De l'argent que j'ai gagné. Que ce soit bien clair, on ne change pas d'assurance maintenant. J'ai un acheteur pour une zibline. J'ai d'ordre à recevoir de personne. Ouais, pourquoi s'en faire? T'es gagnant des deux côtés, hein? Peut-être bien que je devrais te demander ma part sur la prime d'assurance. C'est pas toi qui viens de divorcer? Si, elle a pris la maison, les gosses, le setter irlandais et Marley. Je suis sûr qu'elle a déjà vendu la moto. Oh, non, elle a vendu le chien et elle a donné la moto à son petit ami. Oui, et toi t'as retrouvé ta liberté? Bah, dans un patelin comme River, tu plaisantes. Bon, j'attends que tu m'appelles pour la zibline, d'accord? T'es du fric facile, mon bonhomme. Tu veux manger ce soir? C'est vendredi. Et tu manges pas le vendredi. Tiens, tu veux bien brosser ma veste? Et si je te préparais une bisque de homard? Chuck, je suis enceinte de 7 mois et je n'aime pas rester toute seule à la maison. Est-ce que tu vas brosser cette veste, oui ou non? Et toi, est-ce que tu vas devenir adulte, oui ou non? Dans 2 mois, tu vas être père, tu te rends compte? Ramasse-moi cette veste. Alors? Tu devrais comprendre. S'il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, moi, si je perds mes os? Qui m'emmènera à l'hôpital? Je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire ou ne pas faire, Carole. Tu veux que je te dise que c'est bien de sortir tous les vendredis soirs? C'est super! C'est super, y a rien de plus important que ta liberté. Mais ce soir, j'aimerais que tu restes pour une fois à la maison avec moi. Non ! Regarde-toi. Tu es si grasse que tu n'arrives même pas à te relever. T'en vas pas, ne me laisse pas seule. Tu sais, ma mère dit souvent qu'une grossesse rend la femme encore plus séduisante. C'est loin d'être ton cas. Génial. D'accord, c'est vraiment sympa. Salut Richard, et merci. Ils lui ont montré des photos. Qui te l'a dit? Un flic que je connais. Stuart a détourné la tête et s'est mis à sangloter quand ils lui ont mis le portrait de Bennett sous le nez. Il l'a identifié comme étant celui qui a pressé sur la détente? C'est incroyable. Ouais. Si Stuart a tué sa femme, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait épingler Bennett? Michel?
Les flics préparent quelque chose. Il faut une quête pour que Bennett ait sa dinde de Noël. Il faut que vous alliez interroger ses voisins, ses amis, tous ceux qui le connaissent bien. J'ai écrit le papier sur son arrestation, j'en ai encore des crampes d'estomac. Je préfère travailler sur Chuck Stewart. Notre travail consiste à aider la police. Bennett est toujours leur principal suspect. Mais alors qu'est-ce qu'ils attendent pour l'inculper, hein? Ça, c'est un article. Pourquoi ne pas le mettre à la une au lieu d'imprimer des idioties qui tendent à faire croire que Bennett est coupable, hein? Vous ne voulez pas écrire ce papier? J'ai rien à dire sur Bennett. C'est Chuck Stewart qui est intéressant. Vous avez une source officielle qui peut confirmer que Stewart fait l'objet d'une enquête. Non. Non. Alors au boulot. Vous avez tort. Les flics ont tort. Tout le monde a tort. On a écrit n'importe quoi. C'est vous le reporter. Prouvez-le-moi. Joannie, c'est Michel Caruso. Je vous ai eu au téléphone. Désolée, j'ai rien à dire aux journalistes. Oh, il faut qu'on se parle. Vous préférez qu'on discute à travers la porte? Écoutez, je vous en prie, ne parlez pas trop fort. Je risque ma peau, moi. Tiens, regarde comme c'est beau. Tu vois tout ça? C'est que j'en ai du fouillis dans mon sac. Il risque de vous abîmer quelque chose. Non, il n'y a rien de fragile. Qu'est-ce que vous savez au juste? Un soir, c'était peut-être 3 ou 4 jours après l'agression, on bavardait dans la cour en bas avec mon petit copain. Willy est arrivé, il avait bu. Mon copain est rentré chez lui. Willy a dit qu'il avait besoin de me parler. Il a balancé un coup de poing sur le mur, en disant que la balle n'était pas prévue pour la femme, mais pour son mari. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi? Ouais. L'homme lui devait de l'argent. Une histoire de drogue? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il a prononcé le nom de Stewart? Non. Mais je savais de qui il voulait parler, parce que les Stewart étaient le seul couple sur qui on avait tiré cette semaine-là. Vous savez, il arrive que les flics de cette ville... Bon. Ont-ils exercé une pression sur vous? Je leur ai dit la vérité. Comme je le fais avec vous. La balle était destinée au mari. C'est ce que Willy est venu me dire. Est-ce que Joannie a été la maîtresse de Bennett? Elle dit qu'ils étaient amis et qu'il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre eux. Est-ce qu'elle aurait eu une raison particulière pour l'accuser? Pas que je sache. Mais elle a bien signé une déposition. Nos sources affirment qu'en dehors de Joannie, ils ont 4 autres témoins qui ont entendu Willy leur parler du meurtre. Mmh. Ce qui démolit votre théorie sur Stewart. Pourquoi? Pas nécessairement. Joannie n'a jamais dit qu'elle a entendu Bennett déclarer que c'est lui qui a tiré, en fait. Ça prouve rien. Mais elle se tient à son histoire, elle vous l'a racontée, elle l'a racontée aux flics et aux jurys d'accusation, non? Je suis allée chez Johnny Jackson pour essayer de trouver la faille dans son histoire. J'ai fini par la croire. Hmm. Bon, on l'imprime. Il sera là dans un... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Tu prends ton temps et tu ne dis rien avant la fin de la séance, d'accord? Bonjour. Comment allez-vous? Assieds-toi là, Chuck. Vous êtes prêt, monsieur Stewart? Faites-les entrer. Faites un pas en avant à l'annonce de votre numéro, ensuite reprenez votre place. Numéro 1,
clé. Numéro 2. Reculez. Numéro 3. Mike, ça te dirait de te faire un petit extra? Ça dépend de ce que c'est comme extra. J'ai un projet qui pourrait peut-être t'intéresser. De la marchandise à écouler? Non, du pognon à piquer aux assurances. Tu comptes dévaliser ton magasin? Non, pas du tout. Disons qu'il faut que ça ait l'air d'un accident. Écoute, je ne sais pas ce que t'as en tête et je veux pas le savoir. Reculez. Numéro 4. Pour le verre, Chuck. On se voit plus beaucoup depuis que t'es marié. Ouais, on a qu'à se faire un match de foot un de ces jours. Quand tu veux. De toute façon, il y a ce problème dont je veux discuter avec toi. Ah ouais, tu penses quoi ? Les routiers rencontrent toutes sortes de gens. Des types du syndicat, des piliers de bar. À quoi tu veux revenir ? Je veux faire supprimer quelqu'un. Tu me fais marcher, là. Je cherche quelqu'un pour tuer ma femme. Non, je vois pas. Il vaudrait mieux que tu t'adresses ailleurs. Je fréquente pas de tueur. Non, je cherche pas un professionnel, non, c'est pas la peine. J'ai déjà un plan, il suffit simplement de l'exécuter. T'as déjà tout prévu? Dave, cette bonne femme est un vrai calvaire. Je lui dis que je ne veux pas de bébé, et voilà qu'elle est enceinte. Alors je lui dis de se faire avorter, elle s'est fichue de moi. Elle fait tout pour saccager notre couple. On doit tous un jour faire face à ce genre de situation. Tu n'as qu'à divorcer. Tu ne connais pas sa famille. Encore moins la mienne. Ce sont de fervents catholiques. Non, je ne veux pas vraiment la tuer. Ce que je veux en fait, c'est lui faire peur. T'aurais pas quelqu'un d'autre dans ta vie par hasard? Bon, où j'y aille? Chuck, si je peux faire quelque chose pour toi, tu n'hésites pas, hein? Vraiment, on peut en parler. C'est gentil. Est-ce que tu sais... Ouais, je t'écoute. Où je peux trouver une arme? Reculez. Numéro 6. Il est superbe. Vous voyez, Martha, j'ai bien fait de le faire faire sur mesure. Regardez ça. Il vous va bien. Vous devez être contente depuis le temps que vous en aviez envie. Non, vraiment, vous ne pouviez pas mieux choisir. En place. Et 8. Combien on te paie là où tu travailles? 8 dollars de l'heure. Et tu t'en sors? J'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Je suis sûr un gros coup, mais je suis pas sûr que ça te convienne. Qu'est-ce que t'en sais? Je vais monter une histoire de vol et me faire rembourser par ma compagnie d'assurance. Combien ça peut rapporter? Qu'est-ce que tu dirais de 10 000 dollars? Mmh.
dévaliser un dealer? Mieux que ça. Depuis quand tu fréquentes ce genre d'endroit? Depuis que ta belle-sœur attend un enfant. L'hôpital où on suit les cours d'accouchement sans douleur est à 2 minutes d'ici. Ça veut dire quoi, que Carole sera avec toi? Oui, tout juste, elle est en train de poudre les masques. Tu m'as toujours pas dit qu'est-ce qu'on va faire, ni quand. On va faire croire un vol de bijoux, et après on récupère le fric de l'assurance. Mets les bijoux de côté, on attend la prime. On se rejoindra ici demain soir à 8h30 précise. Tu te gares là où on est. Et tu attends. Alors, tu marches avec nous? Monsieur Stewart, vous voulez revoir un numéro? Monsieur Stewart. C'est bon, tout le monde dehors. C'est difficile. Mais c'est le numéro 3 qui se rapproche le plus. Qui se rapproche le plus? Vous voulez dire que les autres pourraient tout aussi bien être l'agresseur? Vous n'êtes pas ici pour remettre en cause le témoignage de M. Stewart. M. Stewart, j'aimerais vous dire un mot. Oui, on sait. Il y avait de la poussière sur le rétroviseur. Michel, Kim. Envoyé spécial qui continue à suivre pour nous l'évolution de l'enquête sur l'affaire Stuart. Qu'est-ce que vous avez au juste sur l'identification catégorique de Bennett par Stuart? Mon informateur qui était dans la salle m'a dit qu'il n'avait jamais assisté à une identification aussi formelle. Manga aux homicides m'a dit la même chose. Bon, alors comment expliquez-vous ça? Maître Robert Sheketoff, l'avocat commis d'office pour défendre l'homme qui a tiré sur Carole Stuart en scène de 7 mois, nous a affirmé que l'attitude de Charles Stuart relevait surtout de l'incertitude et de l'hésitation lors de l'identification qui s'est déroulée ce matin au commissariat central. D'après lui, Charles Stuart aurait désigné Willie Bennett comme étant, je cite, celui qui se rapproche le plus. Bob Sheketoff n'est pas un menteur. Alors pourquoi est-ce qu'ils soutiennent le contraire? Parce que Willy est en train de craquer. J'en peux plus. Je vous ai dit tout ce que je savais. Tu n'as pas le choix. C'est pas Willy qui a tué cette femme. Vous le savez. Quelqu'un t'empêche de parler? Non, personne ne m'empêche de parler. Mmh. Je sais que tu as peur de Willy. J'ai entendu des mecs parler. C'est tout. Peut-être que celui qui racontait cette histoire voulait se faire mousser. Tu as entendu Willy se vanter du meurtre de Carole Willy Stuart? Willy n'était même pas dans la pièce. Mais il était dans la voiture, ça tu l'as entendu dire. J'ai entendu quelqu'un raconter des salades. D'accord? En fait, c'est lui qui a menti, c'est pas moi. Je veux qu'on ouvre une enquête sur Charles Stuart. On restera discret. Non, je regrette, c'est hors de question. Stuart raconte partout qu'il faisait partie de l'équipe de football de Brown. J'ai appelé par hasard. Brown n'a jamais entendu parler de Stuart. Cette université n'a jamais eu d'équipe de football. Il a inventé ça de toutes pièces. Tous les vendeurs racontent des bobards. Quelqu'un de l'hôpital a vu une jeune femme blonde venir lui rendre visite. Pat, crois-moi, ne fourre pas ton nez dans cette... Où sont les charges contre Bennett? Notre témoin s'est rétracté. Le Big Boss refuse qu'on remette Charles Stuart en cause, et moi j'obéis aux ordres. Qu'est-ce que ça veut dire? On est à la criminelle, on enquête sur des meurtres, que Quand je sache. Quand les médias se sont emparés de l'affaire, ça a failli tourner au lynchage pour les habitants de Mission Hill. En retrouvant le meurtrier, on leur a montré qu'on contrôlait la situation. Ce n'est pas le moment de faire machine arrière. Oui, et si on s'était planté? Matt, ne réagis pas comme ça. C'est l'avocat de mes parents. Il s'appelle John Perrini. C'est un bon avocat. Qui t'a demandé d'amener un avocat? Tu te rends compte qu'il s'agit d'un meurtre? Et tu lui as dit que c'était un meurtre? Matt, tu vas avoir des ennuis. Parce que trop de gens sont au courant. Et alors, c'est ma faute? T'en as parlé à Michael et à moi. À combien de personnes tu l'as dit?
Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui se passera si quelqu'un le dit aux flics? Et si les flics t'accusent de complicité? Vous savez rien, je suis pas complice. Alors laisse-toi conseiller. Parle-en avec John. J'ai déjà un avocat. Jack Dolley est l'avocat de Chuck. Matt, il est temps que tu commences à penser à toi. Chuck est mon frère. Tu veux dire que tu es prêt à faire de la prison pour lui? Monsieur Stuart, tout le monde ici a suivi de près ce qui vous est arrivé. On tient à vous dire qu'on est désolé pour votre femme et votre fils. Merci. Vous enlevez bien toutes les cuticules, n'est-ce pas ça? Bon, ça. J'ai entendu dire qu'il y avait un restaurant à vendre à Foxborough. Je vais peut-être y aller faire un tour, histoire de jeter un œil. On y va comment, là-bas? Par la Nationale 25? J'ai un plan dans le bureau où j'y vais. Ouais. J'ai encore du mal à me baisser, soyez gentil. Mettez-moi mes chaussettes, s'il vous plaît. Parfait. Tenez. Pour vous. Merci. On est tous réunis. Tu ferais mieux de venir. Qu'est-ce qui se passe? On a décidé de le dire à papa et maman. Vous voulez leur dire quoi? Que Chuck est impliqué. On ne va pas leur dire que c'est lui qui a tiré. Wow. Je sais, Mike. Dépêche-toi. Tous les appels reçus et donnés à partir de ce poste sont enregistrés. Non, c'est impossible. Je crois que je pourrais inventer ça. Est-ce que Chuck t'a dit textuellement « je vais tuer Carol » ? Non ! Il n'y a jamais été question entre nous de tuer qui que ce soit. D'après lui, c'était juste une arnaque, un moyen d'escroquer leur assurance. D'accord, calme-toi. Il faut tout me raconter. Qu'est-ce qui te permet d'avancer une telle accusation ? J'étais dans la voiture. Dans la voiture de Chuck ? Non ! Dans la mienne. On avait convenu d'un endroit là où j'étais, je ne pouvais rien voir. Un instant, tu veux? Chuck te dit qu'il veut monter un coup pour toucher l'assurance. Il te demande de l'attendre à un endroit précis. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Chuck m'a rejoint et puis... Carol était avec lui? Je l'ai pas vue. Donc elle n'y était pas? Peut-être. Peut-être qu'elle avait glissé du siège. Il s'est servi de moi, Jack. Qu'est-ce qu'il s'est imaginé? Que j'allais vivre avec ça jusqu'à la fin de ma vie? Il faudrait que tu ailles voir l'adjoint du procureur. Mais avant de le faire, je te conseille de prendre un avocat. Mais Jack, c'est toi mon avocat. Je suis l'avocat de la famille. Je ne peux pas représenter tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de mon histoire? J'espère que tu peux prouver ce que tu dis. La bague de fiançailles de Carol, ça suffira? On se parle, Matt. En privé.
Génial, ta nouvelle caisse. T'as repris la Toyota? Quoi? Dolé m'a appelé. J'ai rendez-vous à 4 heures à son bureau. Il n'a pas voulu me dire de quoi il s'agissait. Peut-être qu'il a des questions à te poser sur la voix rauque de Willy Bennett. Ils sont au courant, eux? C'est Janet qui t'y a poussé? Non. Je l'ai fait pour Carole. La conversation avec Mathieu restera bien entendu confidentielle. Dis-moi au moins s'il est déjà allé au bureau du procureur. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à partir de ce soir, tu deviens le principal suspect dans le cadre de cette enquête. Qu'est-ce que je dois faire? N'importe lequel de ces avocats sera en mesure de te répondre. Tu es mon avocat? Je ne peux pas vous représenter toi et ta famille à la fois. Il y a conflit. Vu les circonstances, j'ai plus besoin de toi que lui. Tu as de sérieux ennuis. Trouve-toi un avocat. Et vite. Chuck. Dès que tu auras franchi cette porte, attends-toi à être arrêté à tout instant. M'a laissé tomber, comme tous les autres. Non, à quoi bon un autre avocat? Il va vouloir que je plaide coupable. Parce que je ne peux pas aller en prison. J'ai fait accuser un noir, je ne tiendrai pas 2 semaines. Oui, mais où? Où veux-tu que j'aille? J'ai besoin d'être suivi par un médecin et peut-être d'une autre intervention. Non, l'assurance va sûrement faire opposition au chèque. Je ne peux plus aller chez moi, et ma propre famille me laisse tomber. Ouais. Oui, peut-être bien. Chuck, il serait temps de reposer les pieds sur terre. Le docteur Miller nous a dit que le placenta était trop bas, et qu'il y avait 9 chances sur 10 pour qu'on me fasse une césarienne. Quoi qu'il arrive, je serai prêt. C'est la route. Chérie, où est-ce que tu vas? Un de nos camions est tombé en panne ce soir sur Tower Street. La dépanneuse n'était toujours pas arrivée quand je suis venu te chercher. Si tu téléphonais à Martha? Il y a longtemps qu'elle est rentrée.
C'est un raccourci. Qu'est-ce que tu disais? Tu sais, j'en ai discuté avec maman. Qu'est-ce que tu dirais de Christopher? Bien sûr, si c'est un garçon, mais ce sera un garçon. Cet endroit. Allons, ne t'inquiète pas, c'est un raccourci. J'ai pas dû tourner au bon endroit, on est perdu. Je vais regarder sur la carte. Fais vite, c'est dangereux par ici. Je ne me sens pas très rassurée. Parce que c'est un quartier noir? C'est mal, ça. Ces pauvres gens n'ont pas les moyens de vivre ailleurs. Oui, tu as raison. Chucky, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, démarre. Alors, mais qu'est-ce que t'attends? Oh. Oh.
police municipale de Boston. On m'a... Ma femme et moi, on vient de nous tirer dessus. J'aimais ma famille. Mais j'ai vécu l'enfer au cours des 4 derniers mois. Je ne peux supporter toutes ces accusations. Le jour où il s'est noyé, des tas de gens sont venus me dire « Vous aviez raison depuis le début, vous devez être satisfaite du dénouement. » J'ai répondu que c'était la journée la plus terrible de ma vie. Il ne suffit pas d'avoir raison. La mort en elle-même n'est jamais une victoire. C'est à vous de parler. Moi je dis que quand une femme est assassinée, c'est le mari qu'on devrait suspecter en premier. Même quand il a une balle dans le ventre? C'est à vous, on vous écoute. Les flics l'ont cru pour une seule raison, hein. Il était blanc. Moi aussi, je me suis fait avoir par Stewart. Beaucoup d'entre nous l'ont cru. Et vous, comment vous avez réagi, monsieur? Dites-nous toute la vérité. Vous avez marché dans la combine? Ouais. Comme tout le monde. Le 4 janvier 1990, le procureur du comté de Suffolk, Newman Flanagan, déclarait William Bennett innocent des meurtres de Carol et Christopher Stewart. Le 25 janvier 1990, afin d'endiguer les mouvements de violence raciale provoqués par Charles Stewart, la famille de Carol annonçait la création d'une fondation destinée à attribuer des bourses d'études aux jeunes du quartier de Mission Hill.